Ah, diantre, il doit encore avoir des pubs. Oh mon dieu, mon fond vert est en train de se casser la gueule. 2 secondes. Ne tourne. Ah ne... Non. Mais qu'est. Oh putain. Voilà. 2 secondes. Oh, c'est pas clair. Alors. Is ok. Oui, donc, bien entendu, merci beaucoup, Flyguard, 2 ans, des bisous. Des bisous, des bisous. Que dire? Oui, pour les pubs. Si vous êtes Turbo ou Prime, vous n'avez pas de pub. Cependant, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a vu la publicité, donc c'est win-win. Sauf si vous utilisez quand même Adblock, ce qui n'a aucun sens du coup. Donc n'hésitez pas à débloquer la chaîne. Et c'est à peu près tout. Ah, Docteur Kirillo, c'était le stream sur cet excellent jeu indé français qui reprenait le gimmick du stage 2 de Tortue Ninja, le barrage. C'était That Damn Game. That Damn Level, d'ailleurs, oui, exactement. Ok. Allez. Retour aux affaires. La boule magique. Merci beaucoup, Valtox et Grisha. Des bisous. Oh là là, et sa Twitch Prime. Donc on y est, les appels de détresse ne nous permettraient pas d'avoir le Crystal Man. Donc avançons. La boule magique. Salut Venom, des bisous, salut Solune. Allez! Je vends 15 missiles pour 45 de scrap si je me fais des couilles en or. Je vois pas où est le problème. Un petit buffer en énergie pour les tempêtes de ion et je ne sais quelle merde. Bon, est-ce que du coup on ferait pas les fous? S'ils me l'ont mis là, c'est vraiment dégueulasse. Je crois qu'on va faire les fous, je rejette votre offre. On va faire les fous et on va essayer d'avoir un max de trucs. Attends, ça va être tendu ce combat. Ce combat là, il est dégueulasse. Je sais pas ce qui se passe, mais ce combat là, ils ont pété un plomb. D'accord, tout miss. On a déjà plus 2 boucliers, voilà. Va falloir se calmer. Va falloir se calmer le cul, mais genre maintenant. Ok. La boule magique. Non. C'est bon. C'est un peu chaud. C'est bien, Robot Shot est déjà maître en armes, c'est normal vu qu'on tire tellement de choses. Buffer en armes pour être intéressant là. Mais bon. Du coup, je me suis condamné, hein. La sortie, je l'aurai pas, donc autant se balader. Augmente l'ascenseur, oui. Acheter de l'essence, oui. J'en achète 6. Je pourrais pas avoir j'ai que ça. Ah si, j'aurais celui-là aussi, cool. Allez! Ah! Attention! Même si chaque NJ unique est fait de trillions de nanomachines, leur culture tourne quand même autour des interactions sociales traditionnelles. Une station proche semble avoir été construite pour l'amusement des voyageurs NJ qui passent par là. Ah, et c'est tout! Ma bite est un volcan, ma bite est un volcan.
Ma bite est un volcan, c'était un non-événement. Ma bite est un Zoltan, ma bite est un Zoltan. Oui, mon NJ va les contacter. J'offre mon aide. Une quête au prochain secteur, double quête, c'est les doubles vaisseaux NJ. Toujours pas de cristal. Ça va. Pas de TP, c'est jouable. On va espérer ne pas se prendre la DCA. C'est tout. Allez, pas dans les moteurs, pas de ce genre de blague, par pitié. Par pitié. Ah, dans le pilotage, parce que ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. C'est bon, on est sauvé. Allez, allez, on répare vite, comme ça on s'en va. Partir un jour sans retour. Nanani, nanina. Et c'est pas un NJ, donc c'est la baise. On pourra pas la voir ici, la suite de la quête cristal. Oui, je sais qu'on peut avoir le cristal chip sans faire la quête, mais bon. Détresse, magasin, nébuleuse, quête, quête. D'accord. Prepare to board and investigate. Robochot est mort, mais il ressuscite grâce à ma clone bay. Vive la clone bay. Du coup, passer au magasin alors que j'ai plus de pognon, je suis un peu fâché. Mais je dois me réparer. Et j'ai quand même un petit drone à vendre. Revendre la chamber? Non, il y a encore moyen. Pas de panique. Contrôle de drone, on sait qu'on pourrait tricher, mais de toute façon j'ai pas assez d'argent. Là c'est clairement réparation et un peu d'essence. Allez, on va faire les deux quêtes de merde pour avoir une belle récompense, ma foi. J'active mes armes avancées de manière menaçante pour faire peur à ce pirate nul. Il me propose du coup, pour que je les laisse en paix, 2 d'essence et 34 de ressources. Allez, c'est gratos. Trop de magasins, tue les magasins. Quoique. Ah merde. Non, on va faire les quêtes. Les BO d'FTL sur Bandcamp, me semble-t-il. Le Bandcamp de Ben Prunty. Alors, un beam 2, burst laser 2, bombe, basique laser. Bon, c'est un peu badant, mais on a connu pire. Des informations sur la technologie volée. Let them go, let them go. Ok, donc évidemment le premier n'était pas le bon, comme souvent. Comme toujours, je ne sais pas, mais comme souvent en tout cas. Ah oui, d'accord, moult quête. Ah non, si, c'est bon alors. Et là c'est vraiment des sbires alors. Putain, j'aurais dû lire. Donc la vraie finalité de la quête est là, et là c'est des sbires. Et si je veux, je peux les tuer. Il me semble que c'est ça, hein. Que je vais quand même casser le cul aux autres pour le fun et la gloire. Quoique non, parce qu'ensuite je peux... Ouais non, allez, hop. Bon là, on va se faire des couilles en or et obtenir un truc, ça va être bien. C'est la quête du Mantis Ship. Il y a une salle de TP, c'est ça. Ah mais c'est un vaisseau Mantis contrôlé par des humains, ridicule. Ridicule.
Parfait. C'est moins cher que gratuit, les petits amis. Ah oui, c'est la quête du stealth. Mais regardez bien. On va avoir le titanium casing qui se revend une fortune. Plus moult pognon. Plus les réparations. Le beurre. L'argent du beurre. Le cul de la crémière. C'est formidable. Magasin. On va abuse. On va encore faire les gros greedy sur ce secteur, je pense. Je vous donne 5 missiles parce que j'ai que ça. Ils vont me brider le réacteur de 1. Moi je dis c'est bien. Donc moi je fais ça. Parce que j'ai envie. Certes j'aurais pu tout garder pour le magasin. Mais on va essayer de se refaire du pognon aux alentours du magasin. 4 d'essence. Si je vous donne 4 missiles, vous me donnez 4 d'essence. Bah ok. J'ai plus de missiles. I don't care. Oui. Jour, il y a du hacking. Ah merde, il y a du Yompulse, d'accord. Pas assez énervé. Quoique le hacking, c'est intéressant aussi. Le shield, on s'en fout, il tombera quoi qu'il arrive. Ça, c'est bien. Paf. Mind control. Ah, mais le mind control, il est hack, mais il est quand même en cours. Ça n'a pas... Ah non, c'est juste qu'il est en utilisation. Oui, c'est le Zoltan shield qui est tombé. Réveille-toi. Réveille-toi, Skenorman. Non, non, c'est ridicule. Vous allez mourir. Qu'est-ce que je pense de Zamasu? Je sais pas. Allez, quand même. Je pouvais prendre encore un saut, mais j'ai décidé de prendre le magasin, voir ce qui se passe. Hacking. Titanium casing. C'est bien, hein? C'est bien, mais ça se revend tellement cher. Est-ce qu'on veut le hacking? J'ai 30 drone parts! J'ai 30 drone parts. Est-ce que je veux prendre le hacking ou est-ce que je veux attendre des drones et le cloaking? Ou hacking et cloaking? Ensuite j'ai mind control niveau 3, les senseurs pour faire chier. Ah, le nouveau méchant Dragon Ball Super, j'ai jamais regardé Dragon Ball Super. Désolé, hein. Dragon Ball, j'ai arrêté à Cell. Et ensuite, ça m'a cassé les couilles. Bon, je vends, hein. Tant pis, c'est bien, hein, Titanium Casing. Mais comme voilà, comme je dis tout à fait, si on en drop une autre, on sera obligé de l'acheter. Je crois encore au Crystal Hellman. Laissez-moi croire au Crystal Man. Le Titanium Casing donne 15% de chance d'ignorer le dommage sur le système. Le chat sur le stream est cassé. Est-ce que j'ai envie de ce fucking hacking? Je pense que c'est pas dans l'urgence. C'est pas l'urgence. Allez, on s'en fout. Et ben moi je dirais, on peut mettre le troisième bouclier. Un petit mind control 3. Non, la logique voudrait qu'on se tourne vers le troisième bouclier quand même. Ok. Est-ce que j'ai le temps vraiment de visiter un max? Attaquer les rebelles, bien sûr. Alors oui, il n'est pas encore en ligne le troisième bouclier, mais c'est ça ne saurait tarder.
Vraiment? Vraiment? Ma vie, c'est autant de la merde que ça? Ah putain, c'est quoi? C'est un drone de... Oh là là, oh là 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 là, sa mère. Pourquoi j'ai continué à viser là alors fait que je lisse les armes? Mongolo. Oh, y'a tout qui revient. C'est super casse-couille. Ça aussi c'est casse-couille. On va pas l'esquiver du coup. Ma vie c'est de la merde. Elle meurt, putain. Quelle angoisse. J'essaie de voler civil, bien sûr. Et ils me cassent la gueule, ils sont pas contents. C'est pas grave, c'était Coubertin. Oui, oui, faut que j'augmente la... Faut que je mette le buffer clone bay, oui, exact. Y'a plein de choses à faire. Y'a plein de choses à faire. Oui, j'attaque le pirate, oui. Heavy Laser 2, Ion Blast 1. Ça va. Le hacking qui pourrait faire chier éventuellement. Non mais non, t'as pas le droit, je pouvais m'éviter le hacking, je pouvais m'éviter tant de trucs. Oh, le Zoltan est tellement mort. Non mais vous êtes des clodos. You are clodos from hell. Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde, ma vie c'est de la merde, mais fais quel bouclier, ma vie c'est de la merde. Au moins le pilotage est mort et c'est un mantis qui essaie de le régler. Ça pourrait être bien pire, mais le Zoltan revient. Le Zoltan revient. Le Zoltan revient. Ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. Le Zoltan revient. Non. Jamais je ne pardonnerai. Jamais. Voilà. Merci. Voilà mes doubles. Mais bien sûr. Merci Euphraos. Si je l'avais pas dit, merci Grisha. Si on l'avait dit. Et Valtox, bien sûr. Et merci donc Fratex. Qui avait aussi. Resub 6 ans, il y a fort longtemps et on a le temps de tout faire. Arnakman, on a le temps de tout faire. Arnakman, des couilles en or. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Le bridge, non! Et il essaie de s'en aller, non! Non, non, non. Je suis pas d'accord, pas d'accord. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, oh, oui, oh, joli, oh, ah, ah. Oh, le double miss, foutage de gueule du cul. Merci. Mais pourquoi le bridge, il est pas tombé? Pourquoi le bridge, il est pas tombé? Pourquoi le bridge, il est pas tombé? Pourquoi le bridge est pas tombé? Pourquoi le bridge est pas tombé? Pourquoi les... T'as les ions qui touchent jamais. Les ions qui touchent jamais, ma vie, c'est de la merde. Oh, le miss du bridge, c'est magnifique. Paf! Paf la pastèque. Paf la pastèque. Bonjour l'ami. Ah, Shishayu Mayamoto, hommage, bisous. Paf! Oh oui! 3 d'essence, un morceau de drone 39. On a 34, hein, partie de drone. Tout va bien. Au cas où je me retrouve dans une zone de danger, je vais tout de suite mettre...
Ah oui, d'accord, si je mets un point dans le dodge, on est déjà dans l'overkill de dodge. Mais c'est peut-être le point qui me permettrait de m'enfuir avant le tir de DCA. Ah putain, on est tellement bien en fait. Reste plus qu'à camouflage. Je pense qu'à limite, pourquoi pas? Enfin, ça serait bien d'avoir des drones ou le hacking. Parce qu'on a 34 parties de drones, c'est ridicule. Mais sinon, un petit cloaking avec le Zolton au début. Ensuite, on bourre éventuellement le quatrième bouclier. Ah, ça me plaît, il y a des choses qui me plaisent. Dans cette théorie de l'échec. Quadruple miss de bridge. C'est beau. Me faire pilote, c'est pas mal. C'est vrai que ça coûte pas de pain, ça coûte pas d'énergie. Faisons un saut en plus. 3 ans, 6 ans actifs, c'est beau. Ion Blast, Albert, on a le temps de tenir. Grave, 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 grave. Bon, il a sûrement un camouflage niveau 3, un truc bien chiant. Ok. En effet, ça dure un certain temps. Sûr. Ça c'est fait. Soit. Ah, c'est magnifique ça. Le pilotage est mort, on va toujours toucher. C'est gratuit. Est-ce que je le tue? Ah, je le tue pas. Si, peut-être, si le flak fait son office. La boule magique. Moult récompense. La boule magique. Merci, Rootsy, bienvenue. Bravo. Je peux pas upgrader vu que c'est en zone de danger. Exit. Quand le no pose plus tard, et le no pose plus en normal, sinon c'est. Ah! Quel enfer! Oh là là, tous ces miss! On a tout. On s'est pas fait toucher pour l'instant! C'est du génie! Allez, l'ASB, tu loupes. Oh, le missile qui loupe. L'ASB qui tue et qui loupe pas. On s'en va. NG. Allez, on va la voir. On va la voir, notre Crystal Man nul. C'est promis. Oh putain, ils continuent à tirer. Ils sont saucés. Allez quoi, baston. Oh putain, ouais, les armements commencent à devenir un petit peu embêtants. Faut qu'un des deux secteurs suivants soit le Rocom World. Non, le Rocom World en dernier, c'est la finalité. C'est la finalité pour débloquer le cristal. A ship. Mais le Crystal Man, on peut l'avoir. C'est la deuxième étape. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on discute et il fait rien. Le mec discute. Ok. Alors. Est-ce que je veux faire sauter le... Oui. Pas mal de faire... De virer la clone bear... Enfin, la TP adverse. Enfin, ça va les occuper, quoi. Ah, tout le monde s'en fout qu'il défonce le pilotage. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Les petits bâtards. Bâtardier eh. Non, non, c'est nul. Voilà, merci. Oh, 50 de ressources, ça commence à parler. Je play à la play et ça paye.
Oui, si tu veux avoir Crystal Man, c'est pour un Crystal Ship, mais au pire, avoir Crystal Man, c'est toujours bien. Tant pis, on se contentera de ce qu'on a. Mais ça se trouve, on aura le Rock'em World juste avant le Last Stand. J'y crois à mort. Moi, j'y crois à mort. On a dit que Détresse, non, c'était de la merde. Il y aura moult magasins. Faut pas oublier qu'on doit également investir dans les drones, dans plein de trucs, en fait. Ouais, pour l'instant, gardons notre pognon et baladons-nous, donc. Urgh ! Au moins, il a le mérite d'être compact. Oh, il m'a nerfé toute mon esquive. Battez-les ! Battez-vous, les NJ nuls. Oh, il pourrait se tuer. Oh, ça serait tellement divin. Tuez-vous. Voilà. Fais-leur mal. Tant pis, je conserve le Pike Beam. Oh non, non. Bâtard. Merci. Douloureux. Chiant. Il faut mourir maintenant, voilà. Oh là 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 là. Saloperie. Oh là là, j'ai 11 de vie. Les missiles, quand ça touche. Ah, le nerf de l'esquive fait très 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 mal. Quelle angoisse. Ah oui, d'accord, il est. Elle, oui, les portes, ça va être chiant. Ouais, cloaking, ça serait pas mal. C'est ce qui nous permettrait à. C'est ce qui nous aurait permis d'éviter ce massacre. You! 50 000 euros, oh, c'est une somme. Merci beaucoup Arteizy. Ah, le ciré jaune. Détresse, on avait dit que c'était non, mais pourquoi pas en faire un? Parce que j'ai une clone baie après tout, donc la clone baie c'est un petit peu fait pour les appels de détresse. Je vous promets de vous aider. Avec mon NJ, je répare votre système. Et je me fais des couilles en or. Et j'aime ça. Magasin 1, magasin 2. On fait les deux. J'en fais qu'un. YOLO. Pourquoi j'en fais qu'un? Mongolo. Burst Laser 3. Burst Laser 3, c'est trop cher. Trop cher en ressources, hein, j'entends. Oh le... Ah! Weapon Pre-Nighter. Mais j'ai pas les meilleures armes pour. Ah oui, mais Burst Laser 3 Pre-Nighter. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup avec ce Pre-Nighter? Qu'est-ce qu'on met en ligne? Pour 8, on a Burst Laser 3, Flak 1, Pike Beam. Les grosses ambiances. Il y a un autre store aussi. Oui, on est d'accord. Ensuite, l'autre store, il m'arrange pas des masses parce que j'ai fait le Mongolo. Si je voulais voir l'autre store, fallait que je commence par ce store. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de perdre 2 sauts sur un store. Quel que soit mon choix, je serai jugé, c'est vrai. Il y a le reversion field en mode défense ultime aussi. Mais on va garder le stasis pod jusqu'au bout, j'y crois, encore. On se débarrasse des ions alors. Oui, il faut réparer, mais réparer ça va pas être si cher que ça. Ça va me coûter 27.
Ça me coûte 215. Et ensuite, il faudra les mettre en ligne. Et pendant que je ne peux pas les mettre en ligne, je ne peux pas utiliser mes Ion Blast. Donc il faudrait que je garde mes Ion Blast pour les revendre. Et là, faut pas s'énerver. Hein. Et j'ai toujours... Si, j'ai 3 boucliers. Je m'arme pour la suite des événements. Pain. A voir. J'allais essayer de louer. Oh, c'est beau. C'est quand même beau un monde qui joue. Salut. Oh, il se bastonne. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Allez, le vaisseau Mantis se défonce et le vaisseau civil me dit « Écoute, écoute, tu m'as l'air de galérer pendant cette partie, laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi installer ce Albert Beam sur ton petit vaisseau fragile. » Et là, je lui dis « Bon, la queue, mais donne-moi 26 scraps. » Ok. Ok. La boule magique, merci Ken Boga qui nous host. Merci beaucoup Ken Boga, des bisous. C'est beau. Alors le Albert Beam avec Pre-Igniter, là on commence à parler. Mais du coup j'ai acheté le Burst Laser 3 pour rien. Qu'est-ce qui va être le mieux dans cette histoire? Quoique Flak. Mais non, pas Flak, Albert Pike. Non, il faut que j'ai un truc pour faire tomber bouclier. Mais le Ion Blast c'est pas assez fort. Oh, je sais pas quoi faire. Quoique, juste remplacer le Pike par le Albert, c'est glamour aussi. Oh, j'en sais rien. Burst Laser 3 et Albert, c'est pas mal, ouais. Par contre, on attend longtemps avant d'envoyer, quoi, la sauce. Mais là, je pourrais, hein. Je prends mon 7ème point d'arme et on fait Burst Laser 3 Albert. C'est ça que vous voulez? Et une bombe à ion. Ah ouais, une bombe à ion qui met normalement 20 secondes pour charger. Problème de riche, c'est vrai. Et merci, c'est Pomoé. Bienvenue. Burst Laser 3, Flak 1 et Albert, c'est pas possible. Burst Laser 3, c'est 4 d'énergie. Flak, c'est 2, donc 6. Et Albert, c'est 3, 9. C'est 8 le maximum en arme. Bon, d'accord, j'ai compris. J'ai compris ce que vous voulez. Et à la limite, on laisse quand même des trucs dans le coin. Putain, n'importe quoi. Cotoratman. Pourquoi il veut pas? Not enough power? Ah oui, c'est 2. Ok. On peut s'arranger. Je prends un appel de détresse. Ah oui, j'ai plus de missiles. Ça s'arrange, on en drop. Petite douleur anale. Petite douleur anale. Ah, ça c'est pour avoir l'augmentation nulle. Non mais allez crever. Ok. Non mais ça se tient, ça se tient. Ça a du sens. Ok.
Ah, j'ai tellement de choses à revendre en fait. Ouais, non, mais on va se faire plaisir. Alors, vite! Le Crystal Man, il est où? Sinon, le troisième shop et je revends tout, j'en ai marre. Ah! Oui, merci! Oui! Attention les aliens! Ah, je peux le faire. Alors, on peut le faire avec le biobeam, mais là, vu que j'ai une clone base, je peux me permettre d'envoyer quelqu'un. Leguman est mort, mais Leguman revient. Bon, hélas, il aura perdu un peu de sa superbe. Il n'est plus maître en moteur, il va devoir regagner quelques points. Il va faire 3 esquives. Il doit faire 3 esquives pour qu'on récupère nos 45%. On va se balader, on va faire ces 3 sauts-là et prendre la sortie en PLS, c'est ça? C'est ça, hein. 36 drones partent, je sais, c'est dommage. Oui, j'envoie mes missiles. La flotte est repoussée pendant 2 sauts. Ah bah on va même pas faire la sortie en mode PLS. C'est beau. Ah non, j'accepte pas. Je vous casse le cul. Oh ça c'est cadeau. Ah non, c'est scandaleux quand même. C'est scandaleux ce qu'on leur met dans le fion. Ah non. Non, c'est pas ouf. Paf! Ah, je pourrais encore repousser la vague rebelle pour visiter en bas. Je sais pas si ça s'additionne. Ou bien je détruis le vaisseau et je récupère encore du loot. Mais du coup c'est intéressant. Parce que si ça s'additionne, c'est-à-dire que j'ai le temps d'aller à la sortie, de retourner en bas et de reprendre la sortie. Mais je ne sais pas si ça s'additionne. J'attends évidemment les conseils avisés du chat et Zeradams. Ça s'additionne, me dit Tartine en 69. Mais est-ce que Tartine en 69 a véritablement l'info? Parce que là, on est sur 2 tours de vagues retardées. Crystalman délai la flotte. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oui, bah oui, pour avoir Crystalman. Bon, délai pour la quête. N'écoute pas, il ne raconte que de la merde. Le chat ne raconte que de la merde. Pas de raison que ça ne s'additionne pas. La saison de NBA, je ne sais pas. C'est plus rentable de les détruire, sûrement. Ça s'accumule. Bon, allez, on va essayer. On va bien voir. Pour la science. Bonjour! Il essaie de s'enfuir. Ah, alors je vous regarde. Écoutez, je vous regarde. Moi, j'ai rien contre le fait que vous essayez de vous enfuir, mais je regarde. Oh putain, ils étaient vraiment en train de s'enfuir. Ils étaient en train de s'enfuir. Vraiment. Ah, la blague du cul. Crevez, salaud. Non, 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 j'accepte rien du tout. Le wiki dit que ça stack. Bravo à vous. Eh bah ouais, regardez, on va se balader en chantant la la la. Oh là là, mais oui. Nous trouvons une station abandonnée. Allez, on fera quand même une bataille YOLO, c'est pas grave. Oui, évidemment, nous allons aider le mercenaire. Oui, alors, un des vaisseaux marchands qui devait lui donner des provisions est en retard d'une semaine. Ils sont passés à travers un secteur pirate, quelle bande d'abrutis. Oui, d'accord. J'ai une quête au prochain secteur. Je pourrais m'enfuir safe. Peut-être pas con de s'enfuir safe. Mais d'un côté, j'ai un weapon pre-igniter, j'en ai plus rien à foutre. Ah oui, oh là là, possibilité de double récompense. Nous, ce vaisseau protège un entrepôt.
Mais ouais! Ouais! Oh ouais! Oh! Eh bien, on n'aura pas le Crystal Mound. Ah! Légumane repasse mettre en esquive. Tout va bien. Allez, double récompense, allez! Oh putain, on va battre le record de scrap si ça continue. Quoiqu'on n'avait pas le double scrap repair arm comme la dernière fois. Enfin, scrap recovery arm. Ok. Bon alors, il est tentant de se mettre plus en esquive et d'essayer de même passer la batterie, la DCA. La réalité, c'est que le clo coûte 150. Ne jamais l'oublier. La boule magique. Merci, c'est pour moi. Et Myrdineska, Carisub 6 ans également. Hommage, Myrdineska du Toll 2. Et Z de Citron, donc, qui nous rejoint également. Hommage. Buffer ta clone bear. Oui, il y a plein de choses à faire. Ouais, on va faire le pas cher. Le pas cher, c'est ça. Mind control. Est-ce qu'on fait le mind control? Non, mais je me demande si le cristal, on le débloque même pas naturellement, en fait. Merci Yanoche et Kentarius Bacal. Buffer en arme est intéressant. Il coûte 100, hein, cependant. Et il pourrait permettre de placer, certes, un Ion Blast en plus, mais surtout une bombe. Si on trouve une Ion Bombe, c'est formidable. Le buffer en oxygène, oui. Et on s'arrête. J'ai des choses à revendre, j'ai juste le Reaper Drone. Ah mais non, mais j'ai tellement de choses à vendre. J'ai même plus de place dans mes suits, c'est scandaleux. Bon bah, j'upgrade mon esquive. Allez, c'est cadeau. Vulcain. Je suis pas trop d'accord et je vais leur faire savoir. De toute façon, il aura pas le temps de devenir une vraie menace, ce Vulcain. Merci. Bonjour. Paf! De quoi être tranquille un moment. Alors, on va voir si je vais réussir à être plus rapide que la menace de la DCA. C'est pas sûr. Y a une TP. On va peut-être venir me faire chier. Bon, bah, soit. Ouais, ils arrivent. Et ils sont où? Ils sont là. Oh, les relous. Bon alors, est-ce qu'on esquive la merde ou pas? Non mais ils vont pas tuer l'oxygène. Ok, c'est une salle vide, c'est plutôt pas mal. Jump, next. Oh là là, il y avait... Ah oui, non mais il y avait le Rock Control, pas le Rock Homeworlds. Putain, on est bien, on est vraiment bien. Ah ça y est, ça commence un peu à paniquer du fion. Chose à laquelle on va dire, bon bah écoutez, rendez-vous sur le net. On va les observer, on va les observer. C'est quand même une aventure émouvante qu'on est en train de vivre. Voyons voir comment ils s'en sortent, ces petits humains. Ah, c'est la panique visiblement. Ah, sublime. Très bien. Les caméras donc. Vu que j'ai tout niveau 2, en fait, il n'y a pas trop de danger. C'est ça qui est beau. Ils vont rage quit avant de la tuer. Ils vont... Voilà, merci. Allez. Allez. Non, non, j'ai pas besoin de mind control là. Au contraire, ça me ferait perdre du temps. Oui, désactiver l'oxygène. J'aurais pu le faire. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est con, j'ai oxygène niveau 2. Donc on peut. Enfin, le niveau 2 de l'oxygène est cassé. Donc on peut pas faire ça en mode opti. C'est pas grave. Parce qu'on va pouvoir, avec l'oxygène niveau 2, ouvrir les portes malgré la brèche. Et ça, c'est puissant. Pas de panique, la caméra revient, pas de panique non plus. Oh, je crois pas que le jump était prêt. Ok, alright. Magasin, eh ben ça tombe bien.
Oh putain! Oh, Jacques Chirac. Oh! De bien beaux membres d'équipage. Eh, maître en bouclier, je suis sûr que ma bite est pas maître en bouclier. Bah oui, parce qu'il a jamais... Il est même pas expert. Vu que ça passe jamais le bouclier isoletant, ça pourrait presque être worse de rajouter le Rockman dans la salle des boucliers. Mais cependant, qu'est-ce qu'on vend vraiment alors? Est-ce qu'on vend... On vend le drone contrôle avec défense drone Mark 1. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est du génie. Alors certes, on peut jouer la carte, tout ça on n'a pas besoin, on pourrait jouer la carte des drones et du hacking, et de se dire, enfin non, j'ai pas assez d'argent. Si, peut-être en vendant tout, clairement en fait. Ou bien je prends juste un des deux, en l'occurrence le drone je pense, et j'attends l'éventuel cloaking. Donc on vend ça, hein, salut. Pas clair. Je peux prendre les deux, hein. Ouais, drone contrôle avec défense 1 et 2, c'est OP, mais c'est 5 d'énergie. Hacking niveau 3, évidemment que c'est la vie. Parce que faire tomber directement 3 boucliers, puis balancer 5 tirs de burst laser 3 et le Albert Beam, sale ambiance pour les ennemis. Sale ambiance. Mais les drones, c'est très bien. La défense, plus que tout au monde. Je peux tout vendre hein, là, clairement. On peut rester sur Burst Laser Albert Beam, chercher la bombe. Le Ion Blast en plus, c'est un peu useless. Moi, je pense que je vends tout. Et on prend les drones, c'est sûr. Mais je peux prendre le hacking aussi. Et ça, c'est beau. Ou bien j'attends. J'attends un éventuel cloaking. Ion Blast, hein, en plus, ça a fait permis de faire tomber. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça sera un buffer au pire, et si on trouve une bombe, c'est tant mieux. Quoi qu'on a peu de chance de trouver un cloaking d'ici là. Hein. On n'a pas de batterie, on va avoir un manque évident de ressources. Mais je pense que j'ai même pas besoin du hacking si je mets le défense 1 et le défense 2 en ligne. Et ça correspond à l'énergie qui me reste. Hacking, mais hacking c'est bien et je peux garder le mind control juste en défense du 3. Ah tiens, vaut mieux que 2, tu l'auras, bien entendu. Je peux prendre le Rockman. Et il va falloir que je up les drones, bien sûr. Le hacking, c'est vraiment pour être super invincible. Mais je crois. Et si je mettais. Ouais, ok, je vais tenter un truc original. On va rester là-dessus. Et avec l'énergie qui nous restera, on mettra le mind control niveau 3 et on va tenter 4 boucliers et esquive en plus. Et puis là, alors là, s'il nous arrive un truc, c'est vraiment qu'on est des chèvres. Bon, il est très sympathique, mais je vais pas dépenser de l'argent pour le Rockman, même s'il est pas cher, hein. Allez! Un maître en boubou peut être pas mal. Ah, vous essayez de me convaincre. Allez, vous m'avez convaincu. On va prendre Caillou.
C'est peut-être l'erreur. C'est peut-être le move en trop, mais allez, c'est rigolo. C'est parti. Pour ça, on peut mettre que défense en ligne, mais c'est très très bien déjà. Bonjour. Bon, on va pas se priver, hein. Avec 37 drones, ça serait dommage. Oh putain, 4 boucliers. Alors c'est là où le hacking, voilà, on pourrait le regretter. C'est ces situations de merde. Où il y a 4 boucliers. Merci, ouais, fallait que j'attende, sinon j'allais me faire baiser. Oh, ça découpe. Oh, ça découpe. Oh là là, il va mourir. Même pas le temps d'exister qu'il va déjà mourir. C'est terrible. Non. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. Petite quête. Ouais, bonjour. Pas le mieux là, ouais. Ça. Ok. Ça va l'effectuer. Ça va l'effectuer. Heureusement qu'on a une très bonne défense. Oh, mon drone! Heureusement que les missiles sont down. Salaud. Ah, 2 naissances, un missile, 41 de ressources, tout va bien, et on se balade. Faut optimiser. Des intrus? Mais c'est n'importe quoi, mais allez, ma bite. C'est dégueulasse. Oh, ça m'ennuie cette histoire. Voilà, pour le coup, je vais peut-être faire ça plutôt. Voilà, oui, bien sûr. Pourquoi j'ai hésité? Mind control, ça sert aussi à ça, voilà. Cassez-vous le cul. Alors, je pourrais les asphyxier, mais le problème, c'est que celui qui sera pas asphyxié va se désolidariser, je crois. On va essayer, hein, on va voir. Mais la théorie, c'est ça que je sais que je vais me faire baiser. On va voir. Donc. Ah d'accord. Bah je suis d'accord. Oh, la belle prise. Ah oui non, oh là là, ils prennent cher, oh là là. Oh, ils se doutent de rien, ils se doutent de rien. Allez, meurs. Ça y a plus de mind control. Et là, bon bah... Et là, je le respecte pas et j'envoie un clodo. C'est magnifique. Bon, par contre, faut mourir. Non. Deuxième magasin. Pas assez pour l'éventuel cloaking. Est-ce que j'ai un intérêt à aller voir ce magasin au final ?
L'intérêt que j'allais voir ce magasin, il est pas clair du tout en fait. Parce que j'ai un à revendre, j'ai pas assez pour le cloaking. J'ai pas besoin d'armes. Si, la ion bombe. Ou une small bombe. Ou un... Non, Bridge 2, c'est trop cher. Ah, et c'est là qu'acheter caillou nous a peut-être foutu dans la merde. Parce qu'on aurait 150 sans caillou. Ma vie, c'est de la merde. Réparer, j'ai pas besoin. Je serai réparé en, à mon arrivée au secteur 8. Ah! Ah! C'est bon. Alors, c'est en haut que ça se passe pour la sortie. Très bien. Ah mais je vais pas pouvoir beaucoup me balader par contre, c'est badant. Le secteur est très mal foutu. Encore ! Diantre ! On va l'arnaquer dans un premier temps, puis ensuite on va le mind control. C'est un non-facteur en fait, c'est un non-problème ce mec. Allez, paf, bienvenue. Ah non, pas d'accord. Voilà. Ah mais oui, mais bien. Bien, mais c'est ça. Reste, reste, on sait jamais. Reste dans la salle d'oxygène si jamais il se passe un truc, hein. On compte sur toi. La lucidité de ce petit bonhomme. Ah mais il y a d'autres gens qui viennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, j'accepte pas. Allez voilà, battez-vous, battez-vous. Alors ça sert à rien, quoique si, ça va peut-être me servir à farmer le premier secteur du dernier secteur. Les Distraction Boys, c'est juste des leurres qui vous donnent un ou deux... Non, ce qui empêche la vague rebelle. Putain, je suis en train de tuer mon légumane depuis tout à l'heure. C'est pas grave, j'ai une clone ben, me jugez pas. Mais en gros, ça va me permettre... ça va me permettre d'avoir un saut gratos en fait. Au début. Une cabine de TP, ma vie c'est de la merde. Il y avait un flak 2 dans le magasin où t'as foncé sur la ion bombe. Il y avait un flak 2, je croyais qu'il y avait un flak 1. Ah oui, flak 2, oh là là. Ah oui, ah. Flak 2 Albert Beam ou flak 2 Burst Laser 3, c'était très bien. Ah j'ai peut-être, bon c'est pas grave, c'est pas. Honnêtement c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que le flak 2 c'est 7 tirs. Dommage. Est-ce que je décide 2? Je crois que je vais décider 2. Parce que à mon avis ils vont pas avoir le temps de se TP chez moi hein. Ah quoique si ça tombe vite. Mais il reste encore, il reste encore. Et puis là à mon avis ils ont d'autres chats à fouetter que de venir se TP chez moi. Oh bah oui, le pilotage qui meurt. Paf, la pastèque. On peut sauter avant le solar flare. On peut sauter avant le solar flare. Oh, oh c'est magnifique. C'est beau un monde qui joue. J'envoie mon NJ pour calmer les infectés. Cette maudite peste. Bien sûr.
Allez, ça fait plaisir. Petite bombe à ion. Petite bombe à ion. Ça fait une heure. Allez. Dans quelques instants. Franchement, si celle-ci, je la perds, je me la coupe. Oh, j'ai jamais local record. J'ai jamais repris le local record. Je vais devoir aller la chercher sur Twitch. Et elle sera pas en 1080p. Ah si, je stream en 1080p, lucidité. Mais elle sera en moins bonne qualité. Mais quel connard! Pourquoi j'ai pas remis YouTube? Oh, ça m'ennuie! A tout de suite! Faudra que je la highlight. Oh putain!